Salut à toutes et à tous, c'est Mervan44. Bon, alors aujourd'hui, grande nouveauté, je vais vous faire une petite vidéo sur F1 RideStar de Codemaster qui sortira dans les prochains jours. Voilà. Donc, je suis assez content de recevoir ce jeu, cette démo. Voilà. Avec la petite cinématique du début que je trouve hyper sympa, franchement. On voit un peu tous les circuits, tous les pilotes et tout. Ce qu'il faut signaler surtout, c'est qu'il y a tous les pilotes de F1. Ce qui est bien. En fait, c'est une sorte de Mario Kart, une version Formule 1. Ce que je trouve assez sympa, franchement. Parce que voilà, quand tu vois les décors et tout, c'est assez bien fait. Et puis avec les petits trucs et tout. Par contre, ce que j'ai trouvé super bien, c'est que j'ai fait quelques courses avant, bon, pour approprier le jeu un peu, c'est qu'il y a même la voiture de sécurité. Moi, je dis super. Franchement, c'est chapeau. Parce que la voiture de sécurité sur un jeu comme ça, voilà quoi. Je trouve ça assez. C'est un super jeu pour jouer à plusieurs quoi. Entre potes, comme ça, une petite soirée. Donc voilà. Je vais essayer de regarder un peu la cinématique. Qui se finit. Voilà, donc ça commence, appuyez sur start, entrée. Donc vous voyez, il y a jouer en ligne, carrière, contrairement à mon espace. On peut jouer jusqu'à 4 sur la démo, ce qui est super bien. Hop, c'est parti. Alors comme vous voyez, il y a plusieurs circuits, Allemagne, Italie, Brésil, Abu Dhabi, Monaco, Japon, Grande-Bretagne, États-Unis, Australie, Singapour et Belgique. Et bon, pour la démo, il n'y a que l'Allemagne. La classe, bon, 1000 cm3, 2000 et 3000. Il y a 3000, c'est ce qui est le plus intéressant, ça va plus vite. Donc voilà, on peut jusqu'à 4 joueurs. Alors, les pilotes. Donc, comme d'habitude, Vettel, Weber, Button, Nelson, Alonso, Massa, Schumacher, Rosberg, Raikkonen, Grosjean, Di Resta, Hülkenberg, Kobayashi, Perez, Sosmerit, Hera Oshima, Bobby Power, Jessica Chirac. Qui sont des petits nouveaux, Kartikeyan, De La Rosa, Vitaly Petrov, Kevin, Senna, Maldonado, Verne et Ricciardo. Bon, moi, comme je suis un gros fan de Kimi Räikkönen, comme il a gagné à Abu Dhabi, je vais choisir son star. Donc, comme vous pouvez voir, mon chargement, franchement, ça va. C'est pas long. En plus, je trouve ça assez sympa avec ce petit peuple, avec des petits avions qui tournent autour. Donc épreuve simple, course, passer la ligne en première position, 2 tours, alors option de course, classe 3000 cm3, dégâts normaux, bonus standard. Donc voilà, chargement pas trop long. Et c'est parti, hop là, Bruno Senna, voilà un peu les décors, bon ça va, c'est assez bien, c'est vraiment style Mario Kart comme vous pouvez le voir. Hakimi, Perez, Resta, Ricciardo, Schumi, Merit, Massa, hop là, Kimi, bon Maxence Weber, parce que bon, c'est mon nom, mais allez, c'est parti mon kiki. Allez hop, donc comme vous pouvez le remarquer, c'est un peu comme Mario Kart, hein. C'est pas les petits carrés avec des points d'interrogation et des petits trucs avec des étoiles, donc là, ah, partie rapide, ce qui va nous donner un boost après, regardez, hop là, petite pile, pion. Et vous savez, non, je te passe Weber, je passe tout le monde, mais j'arrive trop vite. Dans les. Voilà, c'est un peu. Alors, Weber, ça passe. Massa. Ce pauvre lolo, je passe tout le monde. Deuxième position. Et voilà. Les petits bonus. Allez, petit bonus de vitesse. Hop là. Hop là, bonus de vitesse. Voilà, petite étoile. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment style Mario Kart. Hein. Parce que voilà. Hop là, oh là, bon c'est pas grave, allez hop là, c'est parti mon kiki, et ça passe, avec petit boost encore, quatrième position, vous pouvez voir c'est assez sympa quoi, avec le petit château et tout, voilà, ça, hop là, on arrive sur l'autoroute, et ce qui est aussi c'est sympa, parce qu'à chaque fois qu'on se prend un dégât, il va t'as la voiture qui commence à être en lambeau, donc voilà, quoi, c'est un lambeau, mais ce qui est génial c'est qu'il y a les stands, et bon, hop là, mince. Bon, je vais y passer la prochaine fois, je vois. Et allez, c'était une première position. Après, une petite étoile.
Le petit boost, c'est pas le petit monde qui. Ah bah non, ça passe pas. Hop là. Bon allez, hop là, le petit truc pour les autres, les petits ballons. Alors, comme vous pouvez voir, bon, il y a plein de petits trucs d'électricité derrière. Derrière le pilote, bon, c'est-à-dire que la voiture elle est pas super bien, un peu dans le capote. Donc je vais voir si je peux passer par ça. Allez, Hülkenberg, qu'est-ce que tu fais? Attention, le Kermeg et les choix, ça un peu trop court. Voilà, faut que je passe au stand. Petit arrêt au stand. Voilà, donc top. Off, tu vois, ça repart tout seul. Voilà, et c'est parti. Enfin, ça s'arrête pas, quoi. C'est juste. Voilà. Bon, raccourci. Bon, ça va pas franchement l'air d'un raccourci parce qu'il y a tout le monde qui me passe devant. Voilà, top. Ramasseur de clés. Donc, je sais pas, peut-être que ça pourra servir pour ma carrière après, je sais pas. Petit boost. Allez, hop, Felipe Massa, je le passe. Ruby Power, je vais la passer. Et ben non. Felipe Massa qui est devant moi. Kimi Räikkönen, Kimi Räikkönen qui arrive. Oh là là. Et ça continue. Hop là, il passe les deux en même temps. Bon, tant qu'on y est. Ah ben non, Ruby Power passe. Troisième position. Hop, un petit coup de boost. Voilà, pour une petite étoile. Et hop là, c'est arrêté. Toc. Petit truc pour arrêter les autres. Ah, Ricardo, tu vas voir tes questions. Ouais, hop, c'est parti. Hop là, première position. Ouais, j'ai tout pris tout le monde. Donc voilà, c'est une petite course de deux tours. Donc, voilà. On arrive sur l'autoroute. Je trouve assez sympa parce qu'on passe du truc médiéval, tu vois, à l'autoroute, ce qui est hyper moderne. Enfin, tu passes du gros château avec les armures et tout, à l'autoroute avec les bus, les voitures et tout. Je trouve ça assez sympa. Ah, oh là, petit nuage. Bon, ça me fait avancer moins vite, hein. C'est un des packs qui fait avancer moins vite. 3 boboules. Allez, 1, 2, 3. Et voilà, j'ai lancé mes 3 ballons. Je suis là, alors j'ai fait chez Hülkenberg et Pérez. Alors là, attention, là, il y a la boboule rouge. Hop là, je me suis pris. Petit regard derrière. C'est bon, il n'y a personne. Ah si, oh là là, ils arrivent, attention. Feet. Let's go, come on. Allez, Kimi Räikkönen qui gagne la course. Et voilà, la course est terminée. Bon, je suis... Voilà, piégeur. Bon, je sais pas, piégeur, personne. Un classement, Maxence Meyers, premier. Ruby Power, deuxième. Timo Glock, troisième. Bon voilà, donc bah, il sera disponible en Europe le 16 novembre. Bon voilà, petit changement de fin. Hein. C'est l'heure de cycler. Bon, c'est pas grave. On se verra pour d'autres vidéos commentées. Comme une que je devrais faire sur un jeu de handball, sur la démo d'un jeu de handball, IHF Handball 2012. Donc qui sera ma première vidéo commentée, parce que je l'ai déjà faite. Mais c'est pas possible. Parce que. Voilà. Allez, salut à tous.